which is www.congorevolutionnews.info. My name is Kapi Diangu, and this is Revelation. Today we are receiving a champion. He's noticed by his strength, his technique, his charisma, and he's very persistent on the fight. He has only one option, is to win. Welcome today on Revelation, the champion of light heavyweight of EFC, champion Dacha. Encore dans le site qui est www.congorevolutionnews.info et je m'appelle Kapi Diangu et ses révélations. Aujourd'hui, nous recevons un champion. Il est remarqué par sa force, ses techniques, son charisme et très persistant dans le combat. Il a une devise, c'est de gagner toujours et ne jamais perdre. Accueillons le champion Dacha. Je l'avais dit à mon introduction, aujourd'hui nous avons le privilège et l'honneur de recevoir le champion de poids lourd léger qui est champion Dacha. As I say in my introduction, today we have the great opportunity and the honor to receive today the champion of light heavyweight, champion Dacha from EFC. Good morning, champion. Good morning, Kapi. C'est bien le plaisir aussi partagé. C'est un plaisir. Moi aussi, j'ai l'honneur de vous recevoir. It's a great honor to be today on Revelation and champion Dacha. When I heard that name, Dacha, it seems like it's an Italian name or something like that. Is it a name that you were born with, or is it just a name that you acquired when you become a champion? Ma question de savoir, champion Dacha, comment c'est un nom Jacobo Tama ou bien c'est un nom Zuango? Expliquez-nous l'origine à comprendre. Origine à Komona, Herbe en a champion, j'aime ce nom champion. Herbe en a Dacha, parce que n'a pas origine en côté. Mais j'aime bien qu'on m'appelle dans mon nom maternel, Lungi Ambula Kisoka. Sobe en a Komona, je sens que je suis dans Lungi Ambula Kisoka. Komona en a Yangwana, Lungi Ambula Kisoka. Kombo ya champion, et outil na Moussala, Oyo, na Salaka. Je suis un champion, Obimbo Yebi, Ope Mokile Yebi. Combo ya Lungi Ambula Kisoka ya no ya famille combo ya Dacha ya no soki auto e baratse oh papa sera botan pesement na fiston Landry c'est un peu ça j'aime pas ce nom na linga ngote nga ba binga combo Lungi Ambula Kisoka champion c'est un peu ça. Dacha is saying his birth name is Lungi Ambula Kisoka. This is the name that they gave him from the birth, and this is preferred name that he want people to call him. Dacha is a name that he acquired for the scene, but his preferred name is Lungi Ambula Kisoka. I think you all heard about it. Champion Dacha, tenant du titre, 8 combats, une défaite, tenant du titre de cette ceinture comme Ezola Kisa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ezaneti Batbabando Bengo déjà champion avant Kuto Koma champion champion Penza Solo. Quelles sont vos impressions pour ça? So the question that I'm asking is the title holder of this belt? He has 8 fights and 1 defeat. So we want to know the impression that he has because he said that people used to call him champion before he became even the real champion that he is now. What are your impressions? Bon, c'est une longue histoire, mais non, mais Kakokata, on a poussé. Comme moi, champion, je l'ai réussi quand j'étais Benjamin, dans la compétition à judo. C'était ma première compétition au Bundara à judo, dans le Congo. J'étais Benjamin. Champion, il y a Benjamin, il y a judo. C'est pour ça que comme moi, on est tiré là, un ami. Ici, Galipé, je le salue. Il s'appelle Gelor Kilanga. Il est un mouchoir de tête, a commis champion. Parce que comment Etikalanga libéla. Et tous les gens m'appelaient champion, 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 champion. Etikala. Donc j'étais champion. En plus, et Soutaranga, dans Ekolaranga, chaque fois que je me battais, j'étais toujours champion. Donc champion, le roi Akumba Moulongi, le premier, c'est un peu ça. Donc Etikalanga, Tilo Libéla. Donc. Champion. Donc tout le monde m'appelle champion, 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 champion. De où tu es depuis Congo, tu es pays dans l'Afrique du Sud, Pézo n'a pas mis ça en haut. Donc je suis un champion, je suis un vainqueur. C'est un peu ça. Le nom de champion vient from back from his childhood because he has done judo in his childhood and most of the fight that he was doing, he was
he was keep on winning them. So this is where the name of champion comes from. It's not something that started today. It's something that he has started from his childhood, and it keep on accompanying now. And it's showing now that he is the real champion, as the title is showing. Ok, champion, comment se fait-il que avant Obundazu, ça a tant ébellé, presque une année, l'adversaire Bazo Moulanate. Est-ce que c'est un bon signe ou bien mauvais signe pour la carrière now? We want to know that why champion is taking long before he get a fight, almost a year. Is it a good or bad sign that you taking so long before you get a fight? Bon, ils ont vraiment bien été pour la carrière, pour la carrière sportive. Ils ont un peu freiné si vite dans le sens où ils ont moins de combats. Mais pourtant, dans la normalité du combat, au cours d'une année, je peux avoir 4 ou 5 combats dans la normalité du combat. Bon, c'est ça que au cours d'une année, ils ont un combat encore. Et ça, suite, il y a fédération, et ça, suite, il y a organisation, et ça, suite, il y a athlète, il y a ba compétiteur, il y a adversaire. Ne baso kima ko affronter nga yango isa la kina pe marabata mulai, mais normalement il y a bien été na étant que champion, étant que niveau nga nango il y aura mieux par année aux obunda 3 4 combats par année, et ça bien pour la rentabilité na yo, et ça bien pour na mokili eye bayo, et ça bien pour na équipe yo busy. Donc on a toujours na mon chaîne obunda ka er aux obunda Monique, ce qui n'est pas vraiment à moto, il y a toujours moto. Le temps où on a eu la IP, on a eu le réflexe, on a eu le kim, on a eu le poisson, c'est un peu ça. Donc, ils ont bien été. Mais on a eu la fédération, on a eu la ligue, on a eu l'adversaire, on a eu le champion, on a eu le challenge, on a eu le bosson, on a eu l'hésité. On a eu le kim. Donc, on a eu le vendu, on a eu le sensi, je crois que j'étais à la maison, on a eu le kim, on a eu le kim, alors c'est pas bien. Ne pression et que n'agit la fédération ne pas que nous lui quelqu'un adversaire non Afrique ah mais ces gars viennent du Japon hasard français mais abonné à la fédération au Japon ne Ayaki c'était la première fois qu'on a défendu la ceinture n'angai ne n'agit n'a défendu la ceinture donc pour n'anga na rolo ba ils a bien été pour n'anga pour la carrière n'anga mon rôle donc c'est pas bien c'est un peu ça. Champions is saying this that for him, according his career, he needs to have 3 to 4 fights during the year. He's not condemning the league, he's not condemning the federation, but it is a challenge that he's facing. It seems that people are more afraid to fight him, maybe comparing to his strength or something like that, but people are more afraid to face him. And he says also that he has waited almost a year to defend the belts that he has now, and the it adversaries to come far from Japan to come and face him. So it's not, it's saying that it's not really good for his career, but there is not really, he don't really have a choice. And champion d'Alcha, votre dernier combat, adversaire now, Alain Baudon, le combat est salika à 26 secondes. C'est un adversaire au nanazwa défaite. Il n'a eu que des victoires. Mais comment se fait-il que R. Abundi, la championne d'Asha, à peine 23 secondes KO. So I'm asking that champion d'Asha, this last fight that you had with Alain Baudot, it is a fight that lasts almost 23 seconds only. So I want to know what strength that, which kind of strength that you have. Because it's someone that never had a defeat. He was keep on winning, but he's facing champion d'Alcha and his cow. What was your impression of that fight? Bon, impression de Robin Bitumana et Akinini. Les pensées à qui Eza et l'autre mot où Eza normal à ta classe, tout le monde a que moi, dans ce au que défendre l'examen, moi, dans au attendu malam, Azara toujours la conviction, aura toujours l'assurance que. Et alors c'est examen peuple le roi en hype dans nos monde qui va defeat night dans monde Alain Baudot c'est un champion du Japon azana sibaga non défaite et la plupart ba comment est toujours par KO mais dans nos monde moi dans nos viser toujours objectif nanga qui naza champion dans qui belle nanga non mec quand nanga proud non mec ba coach nanga team champion proud donc c'était ça.
C'était ça mon objectif. Namonaki était qu'il était grand, il était un champion. Je me vois toujours, Nagi toujours champion. Dans ça, là, comme on a paix, on a travaillé qui dit, on a une confiance, on a une personne qui a une personne qui t'a. Donc, il y a on a un rôle bas, il y a un rôle bas, c'est le travail. C'est le travail, c'est le travail rend l'homme noble, intègre, la nuit soit donc. C'est un peu ça. Dans le travail, il y a un salaire qui est. Allez bodo a existé té ça là qui après on a 26 secondes donc on a proud ou bangna I'm proud of myself donc on a proud ya hard work na nga msa on a ça là qui ya on que ça qui ba fruit au tout monde ba 26 secondes donc ce n'est rien que hard work donc zelo msu tera msa là comme pesa na msa là dédication donc comme pesa ni on son msa là ya ngwana c'est un peu ça en roloba. Champion is saying this, comparing to the fight that he just won now. He comparing to an assignment. As every child, if they give you an assignment at school, if you know that you are very good, you will pass that exam. And for him, Alain Bodo was not an adversary or an opponent for him to be scared of, but it was, he had an objective, and his objective was to win that fight. That's why he took all the assignment, he gets prepared for that fight. That's why it wasn't really a big challenge for him to win him just in 23 seconds. So this is what Champion Dalsha has said. Et quels sont les projets à Champion Dalsha dans les mois à venir ou dans les années à venir? I'm asking Champion Dalsha, what are your plan for the future in the months to come or in the years to come? Projet rare que futur toujours mboka pour l'anga futur toujours funazon à con. Je vais rentrer dans mon pays, ne balba on est bien ses choix parce que c'est toujours futur n'anga ya toujours mboka to azoya awa ne tout monde en ba juif ne bazali pe na captivité na Égypte. Mais babimaki pe na connaissance au bazoki en Égypte. Donc ngai fiti na ngai toujours mboka. Naza a na yekola, nazo yeba. Susi na ngai akenda na zo mayele un jour na mema na mboka parce que au pays na na kondima pe na ebike toi ba talenté ba plus que ngai. Un jour sport na biso ya combat pe esa la combo pourquoi pas esa on est mboka. Parce que tant que bunda ça va toujours honneur à mboka. Quand je sors toujours avec le drapeau du pays. J'ai fait l'honneur du pays. Donc projet na ngai na tout projet na ngata na bundi na États-Unis, ata na bundi na France, ata na bundi na kubunda Liban, mais projet na ngai futur na ngai ya toujours je vais rentrer dans mon pays. Na pesa o na zu libanda. Ouais, c'est un peu ça. Futur na ngai ya. Champion Dalsha is saying this, that he's a proudly Congolese. So his plan for the future is to come back one day in his birth country, which is the DRC. And he said that what he's doing here is just acquiring experience. He will go to USA, he will go wherever he will go, but in the end, he will go back to Congo. He's just representing Congo. So this is what he's saying. Et révélation Nino pour tes fanatiques qui suivent cette émission. Et peut-être même pour une première fois de quelqu'un de te voir aujourd'hui dans Révélation, en train de parler de ton titre, en train de parler de ta ceinture. Révélation Nino pour un barreau. I'm asking Champion, what is his revelation for people who are watching his fan and for maybe people who are seeing him for the first time? What is the revelation that you have? Revelation nga ya ke nazo push na mututu oza na dream ke a ki focus na dream na dream ko mara tuto give up te attend pepe kongo ne va give up to bunda o yali ke bitumba o yali ya solo mututu oza na ambition oza na rêve il est temps ya ko make ango tru net nga moi suis pas un fighter, moi suis pas un boxeur, moi suis pas un karatéka, moi je viens de judo. Judo te ben ma kofite o te ben genouté o te ba ki grappling te mais je viens tellement que j'avais un dream ya osala champion pe na kota ki na kaza musala na malgré ba challenge malgré ba passe mais na tika kite na ki pa focus na ki déterminé que un jour je serai un champion pe ya ngo le lo na champion donc non pe sa courage na gêne tout na mutunyo so azana dream. Il est temps à me kangwa donc et lokomoko tenebalo baka nothing
et changer en nothing et aux hommes c'est ma paix ce qui dream et aller à ça dans mon cycle parce que vieux toi les ali kabanzambe n'a pas que moutouté si galé la nana à un dream donc pour n'a pas c'est dream n'est comme un trou donc à celle et massi calé à give up ne le côté que ce soit les challenges parce que n'a pas eu de challenge challenge à ma manager challenge à il y a toujours aux autres qui entraînent aux autres qu'on a encore chaque fois pas si il y a une bête à fort ma difficulté mais n'a give up apte. Na télémaire debout na bakité il faut na ko sa dream na nga na ba tout voilà na na vie na dream na na pesa mon courage ba kende ba télé ma bala mukasiko lobité ba sala ngo e ko kisama c'est un peu ça. Champion Darsha is saying this that he pushing people for those who have a dream to keep on pushing that because as he's saying from his own experience, he start from judo. He never dream of becoming the champion of EFC, but it was through hard work, through determination and through focus that today we can call him champion Darsha of EFC, the light heavy champion. And he's saying also that people mustn't give up. For you people who are watching him, don't give up. Wherever you're young or old, the dream that you have can come to only if you are focused and you keep on pushing. Et en tant que compatriote d'Alcha, pour la même chose, représenter Congo même maintenant, le pays ne va pas bien. La politique, socio-culturelle, coûte colobaté, religion, presque tous les domaines ne vont pas. You, en tant que sportive, message ni nous a pour l'amboka. I'm asking champion d'Alcha. As he representing Congo, he's a proud Congolese. What can he say about his birth country, which is DRC? Because nothing is working there. The politics, the socio-economical system, the religion, everything is down. What can you say as a sportif? Étant sportif, dans le domaine du sport, on a un rôle au bas. Les Cambodgiens sont concernés par le sport. Donc, on a un rôle au bas. Toutes les malocos les locaux manquent. Ne pas le barrer. Les beaux manquent. Les sapis manquent sur le longuité. Donc, ils ont un politicien caraté. Ils ont un passeur. Ils ont un battement de son lot pas car. Au cas aussi ça les Cambodgiens. Les Cambodgiens ils ont une affaire d'État. Ils ont concerné Moutouniens. Donc tous ces malocos les locaux manquent. Pour tout bouner la pour la cause du Congo. On a c'est toujours là toujours. Congo nous avons besoin de la paix. Tout ça en pour ça qui mieux. Qui mieux les Kinyans. Donc, qui met les gens comme tour Eiffel, donc qui met les gens comme tour Eiffel, dans mon laï, donc ceci n'a rien à Kimia. Kimia n'est pas la Kimia. Soit Kimia Ali, et l'autre qui Kimia Ali, tu donc, là, ceci Kimia dans Congo. Kimia, parce que tout zonga, tout le monde est installé au à on a Libanda. Donc, dans ce bout de la Kimia, nous avons besoin de la paix. Le Congo a besoin de la paix. Please, please, tout élément, tout bunda avec intégralité, tout bunda avec conscience. Tout le monde a besoin de conscience à Fiti. Tout le monde a besoin de conscience à Fiti. Vous comprenez? Tout le monde a besoin de conscience à Fiti. Vous comprenez? Tout le monde a besoin de conscience à Fiti. Vous donc tout le monde a besoin de conscience consciencieuse. Tout le monde a besoin de conscience. Tout le monde a besoin de conscience à solo. Champion as is for the country is that he is exhorting for unity. For people to be united and to fight something that is real and not something that create chaos in the country. So this is basically what he's saying for the country. He's asking for unity and let's not see only the present, but see the future. This is what champion saying. Let's not see the present, let's see the future. What is champion last word? Quel est le dernier mot de champion? Le dernier mot, moi, je suis très heureux. Je vous remercie merci à ma famille, précisément ma famille où il y a un bon où je peux citer les noms. Bateau, encourager, bateau, bon soutenir dans ça ou dans ça. Donc, merci vraiment, en tout cas, vraiment, dans Naza, sincère, et au fond de mon cœur, je vous remercie parce que, dernier moment, j'ai déjà été surpris. J'abonnais à Moussika avec une Sun City, mais j'ai vu des gens au Ballon et Cape Town. Bah, il faut que ça soit City, dans ma propre moyen. En tout cas, ça m'a touché. Je suis à Joe, le jeune boss, bah, président Crispin Kabuya. Il a quitté le Congo. Il est venu uniquement pour Sun City, pour mon combat. Ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a touché. G-Fox, Ikotele, Junior,
Image, Carlos Image, il était là, donc pendant qu'on soutenait, ça m'a fait du bien. J'ai vu les gens de Djobourg, au Batiri Misala, bah céder bah shift na bango, campagne, bah ils ont support, ils bah mettre 0D, bah mettre moins, il était nombreux ces gens là, au bah ils ont soutenu avec amour, donc ça m'a fait du bien. Donc sportif est synonyme de rancunier, non, c'est pas ça. Sportif est ça. C'est pas dit que si tu es sportif, si tu es un champion, l'équipe va tourner sur la macasse. C'est faux. Et ça, grâce. Et ça, gift, on a un petit cas de scénario. Donc, même quand on a un scénario, c'est pas dit que tu es champion, au bout d'un cage, que l'équipe Bernard, ou l'équipe Tamboué, ou l'équipe Ngouloubi, dans ma casse. Non, c'est faux. Et il y a que tu es grâce, on a un petit cas de scénario. Il a représenté soit il a représenté Mbokana sur le Congo, il a représenté le Congo dans le domaine Moko Boye, il a dans la cage. C'est un peu ça. Donc, ba maître Oyo, Bazo Bunda, dans la zone, il a accepté le comportement de Bango. Donc, il a un exemplaire. Il a sali réputation, il y a sportif. Somme dans mon sportif, maman a zozoa, sportif synonyme à délinquant, d'un voyou. On a bêté là, c'était non. Et ça, les bons enfants, ils peuvent s'y mettre. Ils changer vie en moutou. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que je suis un sportif. Sportif, il y a une place pour être. C'est un voyou. Non. Et il y a un bateau. Ce sont des délinquants de voyous. Il y a un bateau. Il y a un gift. Donc, maintenant, si vous allez télémé là, dans le moutou, il y a un sportif. Il y a un pomba. Pomba, ce n'est pas sportif. Maître veut dire maîtrise. Donc, mettre sur quoi les gens en maîtrise, mettre sur quoi les PC exemple à bien, dans le futur. Moutamon a que vie à Moutpego changer, car en sport, comme le champion d'Achat, j'ai fait l'honneur du pays. Parce que je suis sportif, je ne suis pas un délinquant, je ne suis pas un voyou. Alors, j'ai dit stop, na bato, nyon, so baza, quoi abuser, comme mon abiso, bazo bise, biso bas sportif, ou bazo, ban ti valère, na baon, kocha, pon abiso bas sportif. J'ai dit non, stop à ça. Nous ne sommes pas des coulouneurs, non plus des voyous. Non plus au bango bango quand il s'agit de brigands, non. Nous sommes des responsables, des intellectuels. Tout ça, nous sommes en abysse comme des docteurs. Nous sommes en abysse comme des docteurs. Comme nous sommes maman capable de journaliste, nous sommes en abysse. C'est de même que nous, les sportifs. C'est un peu ça. Dans mon angaï, merci à la famille. Merci à moi. Merci à moi aussi, Pépé Myriam, la fille sans tatouage zéblé. Merci à mes parents. Papa Lunyamboula. Mamani, Lunyamboula, merci à Bafan dans la Cape Town. Bafan dans le bazar de loin, de Paris, partout dans le monde, il y a un champion d'achat. Dans la Binoye, il y a un champion d'achat, il y a un champion d'achat, il y a un champion d'achat, il y a un champion d'achat. Dans Moussa Laïsa, il y a un champion d'achat, il y a un champion d'achat, il y a une victime. Abeti mutuna po lu abi osine champion d'achat dans nazo zelaye donc ya mutema ko fongama na ko bete lisusu makasi. Romba na rebete makasi campagne bana jobu wabi jobu smackdown venanga jilemba la esika ali na sepela ki na sepela ki petit Jésus na sepela ki na nyo ya mbebiso donc merci na batutu donc bamasa ba ebele bamasa baza ebele ya ebele ya ebele donc base nanga G-Fox base nanga Metzlin les amis de Dasha ba Gilio. Donc, je suis capable de faire un bazar et de faire un bazar. Donc, je suis capable de faire un bazar. Donc, je suis capable de la statue de la liberté. Donc, je suis capable de mettre sous les, de mettre 0D. Parce que je suis aussi de vieux, je suis capable de faire un bazar. Donc, je suis mettre sous les, de mettre 0D. DJ LWeb International, je suis capable de faire un bazar. Joe, le jeune boss, je suis capable de faire un bazar. Je suis capable de faire un bazar. Et si je suis capable de respect, je suis capable les prêtres. Donc, bah, respect Bélé, donc base à Metlen, base à Cape Town, base à Belleville. Donc, bah, respect Bélé. Venanga Crispin Kabouya. Venanga Crispin Kabouya, si Kali, donc V, sur reconnaissant. Donc, bah, merci Bélé. Donc, c'est un peu ça. Donc, Congo Together, Congo Bomoko, Tili Fobo. Yangwana. Wow, champion is a long last word, but what I can say that he has been emphasized on is from the fight that he had, he was very surprised to see people, not only from people away, because the fight was very far in Sun City, but he was very grateful to see people coming from far just to support him. And he also sending a message out there for people who are that who are making that image of
image of people who fight, a dark image, is sending the message to say that people should respect the work that he's doing. As someone can be a doctor, as someone can be a professor, please respect him and his quality of sportive. And also he's exhorting people to not put a dark image. When they see you, they only think of violence. No, he is a man, he's a family man, as anyone can be. So he's sending that positive message. Respect him and acknowledge him as champion. I think this is what you have said. And also champion. Et ça, quand les Congolais battent Bazolanda, il y a aussi beaucoup de gens de ce pays ici qui te suivent. Est-ce que tu peux dire un mot en anglais aussi pour les anglophones qui te suivent, le dernier mot? Wow. I love fish. I love to be in Cape Town. Fish. I love to be in South Africa. Like fellow brothers in Congo. Like let's Congo, let Africa be together. Let love one another. Let's stay true. Let's stay positive. Like a true champion. I need people to stay true. True. Everything you do, let's try to make it true. Yes. I love South Africa. I love my fans. All of people that support me for far, for America, for whatever continent, I love them so much. It's champion, the two champions here. I say I love you forever. I fought for I always fight for the truth. I'm the true champion, always fight for the truth. That's it. L'émission Révélation est à sa fin. Nous remercions le champion Tasha d'avoir agréé à cette interview. Champion Tasha, merci beaucoup. C'était une opportunité et on a beaucoup appris. I'm thanking Champion Dalsha because the Revelation program is almost in the end. I'm thanking him for the opportunity that he has given us and we have learned much about him. This is really someone very interesting. Et je remercie aussi Aigle Royal, Michel Combé à Paris pour tout ce qu'il fait pour ce site. Ça, c'est le président de ce site. Je remercie David Condem, directeur d'ici à Cape Town. Je remercie aussi le caméraman et mon partenaire Carlos et Kamaka. Je remercie Jean-Luc Capia, ou partout où il est, pour le support qu'il me donne pour toutes ces émissions que je fais. La famille Diangou à Kinshasa, tous comme vous êtes, maman Clémentine, Mylène Junior, maman Bibi et son mari Baudouin Kayoum, je vous remercie aussi. La famille Diangou au Canada, maman Gisèle, Pasta Godfrey, Grace, Linda, Adi et ma petite Victoria. Je remercie aussi mon grand frère à Bruxelles, Olivier Diangou, ainsi que maman bébé et les trois terres. Je remercie aussi la famille Moutara à Kinshasa qui sont basés aussi à Kinshasa. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Je remercie aussi ce décor qui est Lagoon Beach pour le fait qu'ils aient accepté que cette interview puisse se faire ici. Et suivez-nous pour nos prochaines émissions. C'était Révélation. Mon nom est Capi Diangou. À la prochaine.